De la houle en légère hausse et du vent onshore soutenu à fort entre midi et 2. Rebonjour à toutes et à tous, mouette en l'air, saleté en mer, ciel couvert, de la pluie, les pins qui dansent, le sable qui se déplace, les orias qui sont couchés, la température extérieure qui est relevée à 20 degrés, la température de l'eau à 19-20. Cet après-midi, un temps qui doit devenir variable avec une température à 21. La marée est actuellement en train de finir de descendre, le plan bas est à 13h45. Avec des coefficients 78, et sur cette marée qui est en train de finir de descendre, ben le vent il est onshore, ouest-sud-ouest, il est soutenu à fort. Il y a 5 beaufort établis et des rafales à 6-7. J'ai relevé avec l'anémomètre sur la plage du 38-39 km/h établi, des rafales à 50 jusqu'à 60 km/h. Donc le sable vole, les oias sont couchées, la mer est toute blanche, il y a des moutons de là-bas jusqu'au bord, les phases de vagues sont ridées, et on a cette houle qui est courte à longue, 7 à 12 secondes de période, orientée ouest-sud-ouest à ouest, en légère hausse, hein, c'est vraiment pas beaucoup plus gros que ce matin, relevé sur la boue Arcachon-Gascogne à 3,30 et 7 secondes, légère hausse, il y a maintenant un déferlement qu'on va donner régulier à la hauteur de 1 mètre, et sur les scieries, ça alterne entre 1,20 m, 1,30 m, pas loin d'un petit 1,50 m sur les grosses, quoi. Il y a 1,20 m, un petit 1,50 m, mais pas hyper costaud, hein. Par contre, c'est absolument pourri, il n'y a personne à l'eau à part les écoliers, les stagiaires dans les mousses, au bord, qui ont du mal à retenir leurs planches, c'est un bon signe de la force du vent. L'évolution pour le reste de la journée, ben c'est un train de houle qui va être solide en fin de journée, hein. Ça c'est confirmé, parce que maintenant la boue Arcachon-Gascogne est nettement à la hausse, à 5 mètres et 9 secondes. Pour ce qui est du vent, il va se calmer tôt. Les prévisions à 17h, ça va être 3 mètres, peut-être 3,50, houle ouest-sud-ouest à ouest, 12 secondes de période, vent d'ouest 4-5, ben, y a pas de surf et pas d'action, hormis dans les mousses, et ce jusqu'à ce soir. Attention à la mer dangereuse en fin de journée sur la marée haute avec le pic de la houle. Le prochain point, il est demain matin à 8h sur LSI. Merci.